Hello. It's me. It's me. Aujourd'hui, on va voir ça derrière. Vous reconnaissez? Kierkegaard. AKA The Lonely Mountain. Il y a cette montagne qui est en fait de face, ça a l'air très fin, mais de profil, c'est assez large. Et en fait, il faut trouver le bon angle pour que ça soit le plus fin possible. Et puis, juste devant moi, il y a une petite cascade. C'est là que je vais essayer de prendre une photo avec l'eau qui coule et la montagne derrière. Finalement, le vent s'est un peu calmé. Pour la reflection, ça allait, je pense. C'était pas mal. Mais bon, le soleil, toujours pas au rendez-vous. Et je pense que c'est pas prévu qu'il se pointe. Donc, vous pouvez pas faire. Vous pouvez rien faire contre ça. Mais sinon, ça va. Hein. Et de bonnes photos. Vidéo, j'espère que ça va le faire. De toute façon, vous verrez quoi. Allez, si next stop is non, pas les gars. Je vois si on va aller au. En fait, il y a une source naturelle d'eau gazeuse et on peut se servir, remplir notre propre bouteille. Et on va essayer de voir ça. Allez. Au milieu de nulle part, d'une grande plaine et de entourée de superbes montagnes, on a ce petit panneau qui dit Welcome to the Mineral Spring. Et il y a une petite box pour aller au bois. Et c'est ici. Hier j'ai un verre de Mountain Dew et du coup il n'y a plus de gaz. Je vais aller remplir, je vais donner du gaz. Dieu, c'est la machine. Wouhou.
décharge nos pièces